Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo voyage. Et oui, je vais vous parler un peu du voyage que je devais faire le 31 mars 2020, mais à cause du virus, on n'a pas pu partir avec mes meilleurs amis. Mais donc voilà, je vais vous parler de ça tout de suite. Bon, déjà, on devait partir une semaine, hein, qu'une semaine, c'était pas énorme, mais avec mon travail, je pouvais pas aller 2 semaines. Aux États-Unis. Maintenant que je suis en chômage, malheureusement, et ben je prévois un autre voyage pour ma première saison aussi sur ma chaîne aux États-Unis. Voilà, on reporte ça, mais quelque part d'autre, hein, pas Atlanta ou à Orlando, mais ça c'est la surprise. Donc je vais vous parler un peu de ce qu'on devait faire aux États-Unis. Donc, à Atlanta, on voulait faire dès le premier jour faire les magasins pour les souvenirs, pour la famille, pour les amis, etc. Et puis par la suite, on voulait visiter un peu les lieux de tournage et aussi visiter la ville exactement. Voilà les lieux de tournage de The Walking Dead. C'est là-bas qu'ils sont en train aussi de filmer, hein. Voilà. Et puis on voulait aller au restaurant de Daryl parce qu'il a un restaurant là-bas. On voulait y manger. Par chance, on aurait pu rencontrer Daryl. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait faire à Atlanta. Et puis après, on voulait aller en direction de Orlando. En Orlando, en fait, il y avait un événement de catch. C'est WrestleMania. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'événement de catch qui a eu lieu une fois par an. Et donc là, c'était la semaine où il y a eu WrestleMania. Malheureusement, ils l'ont fait à huis clos. Donc, on a regardé à la télé tout ça. Ils ont annulé, hein, ils ont pour nous, pour les supporters. Nine long years for Edge life. You see the deep breath from Edge. It has been 9 long years. Talk to me, they understand. They talk to me. Whoa! Oh my God! It's Randy Orton. On va dire, moi je suis pas supporter, moi j'aime bien le catch, mais je suis pas fan comme mes meilleurs amis qui devaient venir avec moi. Voilà, pour savoir combien coûte WrestleMania, il y a tous les prix, hein. Mais nous on a pris le moins cher, donc le moins cher c'est 150 euros et on était placé tout en haut du stade. Et voilà, donc mais après c'est pas trop grave, il y a un grand écran, etc. Mais sinon il y a des prix à 2000 euros, 3000 euros, hein, à seule manière. Donc voilà, mais voilà, ils l'ont fait à huis clos. C'était nul, hein. On a vu un peu le show. C'était vraiment ça faisait bizarre de voir un WrestleMania sans public. Et en plus de ça, ils ont filmé ça dans leur lieu d'entraînement. Donc c'était vraiment bizarre. Ouais, voilà. Sinon, à part ça, on voulait aller un peu à Euro Disney. Parce que Euro Disney, ça se passe à Orlando. Voilà. Et aussi, on voulait aussi aller au parc de Harry Potter. Il y a un parc d'Harry Potter à Orlando et on voulait visiter ça. Il y a 2 parcs à Harry Potter. Par contre, il coûte extrêmement cher ce parc-là. Voilà, sinon, à part ça, je pense que j'ai terminé là. Je vais juste vous dire un peu pour ma première saison. Et oui, on n'a pas pu faire ma première saison justement à Atlanta. Et du coup, ma première saison, ça sera encore aux États-Unis, mais ça sera pas à ce lieu-là où on devait y aller. Et bah oui, ce lieu-là, on devait aller pour WrestleMania. Et du coup, ça a été annulé.
Et donc on a prévu, allez, c'est un petit indice, aller vers San Francisco et on va faire un road trip, voilà. Mais je vous dirai pas où exactement on va aller avec la voiture, etc. J'attends toujours mon permis international, voilà, je l'attends toujours. Normalement c'est en route, donc voilà, donc c'est bon. Moi je pense que j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Ça y est, on a 1000 abonnés, donc bientôt il y aura la vidéo spéciale 1000 abonnés, hein. C'est pas maintenant, j'attends être à 1080 à peu près parce que ça peut descendre assez vite quand même. Donc voilà, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour des aventures. Ciao ciao.